ça va mal. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va mal. 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 Allô, Marie-Sophie. Hey, c'est-tu drôle? J'avais oublié de mettre des souliers. Ça a l'air bon, ce que t'écoutes? Oh, la télé! Je te dis qu'ils disent qu'on dit des affaires, qu'ils disent qu'on pas de change, les jeunes. Quoi? Pourquoi faut toujours tout que je répète avec toi? Parce que c'est pas toujours clair, ma pinotte. Ce que tu dis pis ce que tu penses, des fois, ça s'exprime pas pareil. Faut que tu penses ce que tu dises avant de dire ce que tu dis. Tu comprends? Ben oui. Excuse-moi. Je pense que j'étais un peu nerveuse. J'avais remarqué. Mais qu'est-ce qui se passe, ma petite sauterelle? Je t'ai jamais vue de même. D'habitude, t'écoutes des affaires à la télévision. Je sais pas. C'est comme quelque chose en dedans. C'est-tu ton petit cœur qui te fait des bobos? Non. Ta petite bédaine? Peut-être que c'est un petit rat qui veut pas sortir. Ben non, Steve. C'est plus comme un mauvais pressentiment. Qu'est-ce que tu veux dire par là, ma petite banane? C'est comme si j'avais feeling que ça va mal. Pourquoi tu me l'as pas dit avant? Parce que ça aurait servi à rien. Ben voyons donc, faut pas niaiser avec ces affaires-là. Peut-être que ça va mal pour vrai, puis on le sait pas. On peut pas rester là à attendre. Qu'est-ce qu'on fait? Oups. T'as un peu, Steve. Je pense que j'ai le feeling que ça va mieux. Non. Ça va mal! Oh, vite, il faut appeler Marc. Peut-être que c'est lui que ça va mal. Allô? Marc, c'est Steve. C'est Marie.